Salut guerrier, c'est Yannou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de théorie musicale et en fait, tu vas voir qu'on va pas, on va pas aller très très loin, justement parce que je vais te partager un peu une pensée que j'ai eue, une réflexion que j'ai eue sur le fait justement de ne pas chercher à aller trop loin dans certains domaines parce que ça va au-delà de ce qu'on a besoin pour vraiment mettre en pratique et progresser en musique. Alors, pas de panique, je t'explique. En fait, je viens de terminer de lire un livre qui s'appelle Le cycle des quintes, une collection d'outils visuels pour les musiciens. L'auteur s'appelle Philip Jackson. Alors, probablement que ça ne te parle pas forcément, mais ce n'est pas le premier livre que je lis sur la théorie musicale. Et donc, théorie musicale, tu sais, c'est tout ce qui va être autour de créer des accords, en fait, des harmonies, de choisir les notes, des gammes, en fait, toutes ces choses-là, mais de manière un petit peu poussée, d'accord? Là, on ne parle pas des basiques, on parle vraiment de choses qui sont très avancées. En fait, bon, moi, je te cache pas que la théorie musicale un peu avancée comme ça, c'est pas du tout mon dada. Pourtant, j'ai lu plusieurs livres là-dessus. C'est pas que ça me fait super plaisir, c'est juste que je suis hyper curieux et que, aussi, en tant que formateur, j'ai envie, tu vois, de creuser des sujets comme la théorie musicale, l'ingénierie de mixage, l'ingénierie de mastering, l'acoustique, plein de choses, pour avoir une vision globale en fait de ce que c'est que le son, la musique, pour pouvoir comprendre plus en profondeur, pour progresser et pouvoir transmettre à mes élèves aussi toute forme de savoir qui peut être utile. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que le livre, je l'ai lu entièrement. Il y a la grande majorité des choses que j'ai de ce livre que j'ai pas compris, en tout cas que je vais pas retenir et qui va jamais, jamais, jamais me servir et probablement qu'à toi non plus. D'accord? Donc mon message, en fait, là-dedans, c'est quoi? C'est déjà, ce livre, ne le lis pas. Pas qu'il soit mauvais en soi, hein. C'est juste qu'en fait, c'est les livres comme ça qui sont purement orientés sur la théorie musicale un petit peu avancée, entre guillemets, et avancée encore, ça dépend pour qui, mais pour moi, en fait, c'est de la perte de temps, c'est de la perte de concentration, en fait, c'est de la perte d'énergie, en fait, de lire ce genre de choses. D'accord? Alors moi, je regrette pas de l'avoir lu, parce que l'ayant lu, je peux dire que toi, tu n'as pas à le lire, tu vois. Donc, encore une fois, je suis là pour faire les erreurs, pour t'éviter de les faire. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est tellement la théorie musicale, en fait, où tu vas connaître, la relation entre telle note et telle note, etc. On est dans quelque chose qui est purement mental, et au final, ça reste de la théorie, d'accord? Au lieu de passer, je sais pas moi, 3-4 heures à lire un petit livre comme ça. Je te conseille clairement de pratiquer, de travailler ton oreille. Même si t'es pas en train de construire un morceau, de composer une mélodie, tu peux juste prendre ton clavier, jouer des notes, t'entraîner peut-être à repérer les notes, mais au moins tu es dans de la pratique. Tu es dans de la pratique qui va entraîner ton oreille. Alors que la théorie que tu lis dans des livres comme ça, tu peux lire autant que tu veux. Finalement, ton oreille, elle ne sera pas entraînée. Et en plus, si tu comprends pas bien les choses, si ça te prend la tête, ça risque de te dégoûter un petit peu de la musique. Et en plus, ça te, comment dire, ça te, bah, c'est un peu comme une impasse en quelque sorte. Donc, t'as pas besoin de connaître la théorie musicale de niveau avancé. Alors, faut modérer ce que je dis. Évidemment, il y a toujours des exceptions. Si, par exemple, t'as un gros background en musique, je parle pas forcément en MAO, hein. Si, je sais pas, t'as fait le conservatoire, si t'as fait du solfège, etc., que t'as déjà des connaissances solides en théorie musicale, là, dans ce cas-là, tu peux éventuellement aller lire ce genre de livre pour creuser encore plus loin. Si derrière tu mets en application ce que tu apprends en théorie pour mettre en pratique dans tes morceaux, pour en faire quelque chose. Sinon, c'est bien de connaître des choses, mais si tu les mets pas en pratique, c'est un peu de la perte de temps, tu vois. Donc, je conseille tout le temps vraiment d'orienter un maximum de ton apprentissage par de la pratique et moins par de la théorie. Alors, ce que je dis, ça peut paraître un petit peu contradictoire parce que là, justement, je suis en train de t'enseigner, de te donner, en fait, des conseils ou dans d'autres vidéos et surtout dans des formations, ça va être des choses qui sont, entre guillemets, un petit peu théoriques. Alors, il y a un peu de théorie dans mes formations, mais il y a aussi beaucoup de pratique. C'est-à-dire qu'en fait, je te conseille tout le temps, tout le temps, tout le temps d'avoir un espèce de ratio 10% de théorie pour 90% de pratique. D'accord? C'est-à-dire que quand tu apprends quelque chose
un peu théorique. Voilà, par exemple, tu découvres ce que c'est que des accords, etc. C'est très bien de connaître la théorie, tu prends des notes, etc. Et tu passes à la pratique. Et tu passes 10 fois plus de temps et d'énergie, tu t'investis 10 fois plus dans la pratique que dans la théorie. Alors, tu vas me dire dans ce cas-là, pourquoi faire de la théorie et pourquoi ne pas faire que de la pratique si la pratique, c'est si important par rapport à la théorie. En fait, le top du top, c'est d'avoir les deux et c'est d'avoir les deux à un bon ratio. D'accord ? Parce que si tu fais que de la pratique, oui, tu vas progresser, mais tu vas pas progresser de manière optimale parce qu'il va te manquer des éléments. Alors que quand tu as la théorie et quand tu as de la théorie qui t'est apportée par un formateur qui va te cadrer, qui va te dire « apprends la théorie sur tel sujet » et ces sujets-là, tu les mets de telle façon en pratique, dans un contexte qui est par exemple la création d'un morceau ou ça peut être des choses de théorie musicale aussi en DJing, hein, avec le mix harmonique par exemple, qui est le fait d'enchaîner les morceaux en tenant compte des tonalités. Hein, ça, on le voit dans le cours numéro 3 de la formation DJ Padawan, si ça t'intéresse. Moi, c'est un truc qui a changé ma vie, hein, le fait de mixer harmoniquement. Eh bien, dès que c'est mis en pratique, là, tu vas en bénéficier. D'accord ? Donc, avoir un ratio, en fait, comme ça, un petit peu de théorie et tout de suite une mise en pratique sur laquelle tu vas passer beaucoup plus de temps. Ça, pour moi, c'est l'idéal. Alors, encore une fois, sur la théorie musicale, si t'as pas envie de pousser la théorie super loin, ne va pas dans ces choses-là et tu peux vraiment te contenter des basiques de la théorie musicale, hein, vraiment de la base absolument, et faire déjà des très belles choses, des belles mélodies, des belles compos, d'accord ? Pourquoi ? Parce que tu auras la pratique et tu auras travaillé ton oreille. Si ça t'intéresse, d'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, je te mets en lien en description un lien vers ma formation sur comment composer des belles mélodies, des belles progressions d'accords, mais sans te prendre la tête avec du solfège, sans te prendre la tête avec de la théorie musicale trop avancée. C'est-à-dire qu'on va juste voir les fondamentaux qui, eux, sont vraiment, on va dire, obligatoires. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un accord mineur? Comment créer une progression d'accord? Comment décliner une mélodie? Comment l'intégrer dans un morceau? Mais tu vois qu'en fait, ces quelques éléments théoriques que j'ai isolés qui sont vraiment importants, ils sont tout de suite mis dans un contexte pratique, qui est la composition de ton thème mélodique, du thème de ton morceau par exemple, d'accord ? Et comment décliner une mélodie avec différents instruments virtuels, par exemple différents synthés, etc., pour amener un changement d'énergie ou un renouveau, si tu veux, dans ta compo. Voilà, tout ça, j'en parle pas plus parce qu'il y a tout dans la formation, il y a en description si ça t'intéresse, mais en tout cas, mon rôle, si tu veux, c'est de t'aider à faire la part des choses entre les choses qui sont vraiment essentielles à connaître et que tu dois maîtriser, et qui sont finalement pas forcément beaucoup, beaucoup de choses, enfin, il y a quand même pas mal de choses, mais je veux dire, par rapport à tout ce qui est du bruit, c'est-à-dire toutes les informations qui existent, mais que tu n'as pas besoin. D'accord ? Mon rôle, c'est de t'aider à sélectionner les choses sur lesquelles tu dois porter ton attention et à t'aider à mettre de côté tout le reste. Et sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao !